Bonjour et bienvenue dans le 42e épisode de L'Art en 3 minutes. Nous sommes toujours dans l'atelier de Steve Morphée. Pour cette fois-ci, le deuxième épisode, découvrir les petites histoires qu'il crée autour de ses œuvres. Rebonjour Steve. Bonjour. Alors c'est reparti pour 3 questions en 3 minutes. Première question, parle-nous un petit peu de Bébé O'Brien et de O'Brien. Alors O'Brien et Bébé O'Brien sont sur Terre parce qu'ils demandent exil. Toute leur descendance a été massacrée parce qu'ils ont la formule de la longévité éternelle et sur leur bec il y a des inscriptions qui complètent cette formule. Donc ils sont venus demander exil pour ne pas être tués et pour ne pas donner à ceux qui les ont massacrés les derniers symboles de la vie éternelle pour compléter leur formule. Donc voilà, ils sont là tous les deux, ce sont des personnages un peu féeriques parce qu'ils ont des têtes de toucan. Voilà, c'est des personnages imaginaires, mais qu'on pourrait bien voir dans un autre monde, vivre, ou même vivre avec nous, en pleine harmonie. Ils ont été au port Phoenix et ils allaient très bien au bord de la rive. Et ça, c'était génial, de pouvoir les mettre au bord de la rive avec les canards et tous les petits oiseaux, tout ça qui venait à côté personnages, comme s'ils avaient toujours été là-bas. Voilà. Deuxième histoire, l'histoire de la fontaine. Sacrée fontaine. Alors c'est une fontaine qui est accaparée par des petits personnages qui sont tout nus et qui s'appellent les Chapoterius Colorius. Ce sont les donneurs du temps. Et en haut, on voit bien un petit personnage qui, avec sa longue vue, et regarde le temps s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ces Chapoterius Colorius vont carrément rectifier le problème et remontent sur la fontaine, donc ils sont là pour le temps et pour Oui, et puis il y a plein de petits insectes qui viennent boire. C'est une fontaine qui a une eau à peu près pure, qui est filtrée, et qui donc les insectes viennent pomper cette eau et la ramener sur leur territoire. Donc il y a des papillons, des libellules, des petits insectes vraiment sympathiques, il y a même des escargots, on en voit un qui grimpe pour monter en du chapiteau. Donc vraiment c'est une fontaine où tout le monde vient. Voilà. Troisième question, j'aurais du mal à le prononcer, mais raconte-nous l'histoire des baguettes magiques. Alors les baguettes magiques s'appellent des Fosignasca. Ce sont des baguettes magiques qui viennent d'un arbre qui apparaît tous les 200 ans. Il apparaît à 200 mètres d'altitude et pendant ces 2 minutes qu'il apparaît, on peut lui piquer des racines. Ces racines, on n'en prend que 3. Et c'est l'arbre qui dit stop et qui donne les vœux. Alors il y en a 2, il y en a 3, il y en a 1 vœu. Et après, l'arbre disparaît et va dans un autre endroit, réapparaître 200 ans plus tard. Mais on ne sait pas où, on ne sait pas quand, mais on récupère quand même des baguettes magiques. Donc elles sont chez le monde de Morphée. Dans le monde de Morphée, il y a des baguettes qui sont achetées et plein de petites baguettes de toutes sortes différentes parce qu'elles sont carrément toujours différentes. Alors là, on voit, j'ai pris une photo, on voit bien l'arbre. L'arbre est ici, en lévitation, avec ses racines. Et vraiment, on prend des racines qu'on a vraiment juste dessous l'arbre. On n'a le droit qu'en prendre que 3. Voilà. Donc le truc est que celui qui n'a pas de baguette magique, il faut qu'il vienne en acheter une, parce que c'est sympa. Et puis comme les vœux se réalisent, c'est encore mieux. Voilà. Et voilà, donc nous sommes dans la boutique. Et on vous dit merci beaucoup et à un prochain épisode. Merci, au revoir.